m'appelle Manuel Duque, je suis 20 ans, je habite à Belvedere et je suis bien fier que je remporte Mister Ability 2023. Depuis naissance, je suis né avec un malade qui s'appelle cérébral palsy. C'est le symbole pied qui est parti bon, le symbole ankle est parti plate, les versé. Et là, je suis en train de mettre ça pas de souliers. Et après ça, je passe en 4-5 opérations pour aujourd'hui, je vais quand même c'est bien. Aujourd'hui, je vais mettre souliers, ça va tout bien. Ça a affecté la hanche aussi, côté droite. Ça aussi, je suis en passe opération là. Et les parties faciles, je me dis, faire 2-3 opérations, je me dis, reste 3 mois, puis je reste dans une plaque, je reste au matelas. Les parties faciles. J'ai un problème dans mon ankle côté droite avec mon hanche. Moi, à cause de ça, je vais mettre des souliers. Et dès que je vais mettre une savate, la cause de mon ankle, tu virais les parties plates. Moi, tu vas mettre une savate croque, moi, tu peux promener partout, moi, tu peux aller à l'école avec ça même. Moi, je vais quand même mettre des souliers. Que de moi aller me mettre crocs et quand on met ça crocs là aussi moi tu faisais mettre double chaussettes mettez pour pas gagner du mal le ankle parce qu'il est viré. Après l'opération on commence à bosser après deux ans et demi parce que la moitié de l'année comme on fait opération moi pas tu peux bosser du tout moi tu venais assisé non pas tu peux bouger le mon pied mais après comme on commence à bosser là je commence à mettre souliers tout ça là. Je arrêté un peu crocs, je commence à mettre souliers. Et je me dis ça aussi des parties faciles, je dire reste en place, c'est une difficulté aussi. Ça opération, après comme une fin opération, je amélioré bien. Tous les jours, je mettre souliers, c'est-à-dire quand je suis sorti, je mets souliers. Je n'ai pas nécessaire de tracasser pour chausser tout ça là, quand je suis sorti. Moi, les rondelles ou moi-même. Je pas nécessaire, je dire un petit aide pour dire qui aime bien moi aussi au moins. Après cette opération, la vie est facile. Moi, j'ai une école, l'Aventure Technical School for Disabled. Et là-bas, j'ai une classe vocation. Là-bas, j'ai une classe, j'ai plus beaucoup de métiers. Je apprends le crafting. Et beaucoup d'affaires que j'ai apprends là-bas. Et je vais faire un métier coiffeur. Je vais apprendre plus de coiffeur, painting et plus encore. C'est à l'école là aussi que j'ai une sens de la vie.
l'école d'Alin donne moi une ta opportunité qui nous gagne ben énormément de camarades supportifs, ben supportifs teachers aussi qui se donne moi beaucoup d'opportunités qui ben gagne pas oublier tous les jours lundi avant de rentrer à l'école tous les jours grand matin 7h10 moi prends mon bus et 3h10 par mon bus me retourne à la case et l'école là aussi c'est comment dire une distraction pour moi on y a oublié tous mes problèmes moi avec mon bon camarade là bas rire causer c'est comment dire une distraction net. Et la case moi j'ai une grande passion pour moi me faire mon hobby c'est me faire gloss painting me faire painting de canvas me faire un peu ben crafting tout ça là et même me faire ben un petit side métier comment dire me rendre portable tout ça là me passer rendre portable vini me tiens un portable j'ai un mini mais un jour portable là infini bloqué à ce moment là pour un lock ça me va connaître comment faire tracé mon apprendre une série de YouTube et quand on trouvait mon fini apprendre mon fini fait travail là mais c'était ça un intéressement pour aller encore l'avant là et là mon apprendre mon fini comprendre les bonnes affaires comment pour faire sens l'écran pour faire ça bonnes affaires là et encore plus mon apprendre là-dedans et là il arrive le temps mon acheter mon propre outil les affaires crafting m'ont bien intéressé parce qu'ils m'ont servi bonnes affaires recyclage comme bonne bouteille journal contron. Il y a plus beaucoup d'affaires qui savent beaucoup d'affaires pour recycler. Et recyclage, on peut faire un flower pot, un pen holder, un phone holder, n'importe qui affaire. Recyclage, n'est que les biens, comment dire, une idée et qu'une bonne main pour faire des affaires recyclage. Et recyclage, garantit toutes affaires. C'est bien intéressant. Le métier quoi faire, moi intéressé, bon quand on est, mais problème c'est que moi pas qu'à dire vous disque longtemps. Ça même qui problème là mais comment il a mon frère à la case mon sœur à la case le ben la même moi mon travail je quoi faire mon taille cheveux mon faire cette teint cette cheveux tout ça là là le même qui commence mon finir point tigit mais travailler permanent il y a un problème pour moi et côté le beatbox c'est ça même que tu connais que tu as beatbox mais un jour j'ai découvert une vidéo sur YouTube qui un gars on peut faire l'India 5 sons et une seule goutte. Là, ça a même intéressé moi. Mon guide, mon rôle apprendre. Moi, ce qui est 7 mois, je finis à apprendre ça. Mais beatbox, ça, c'est mon petit cachet de texte et tout. Je vais vous montrer bien sûr. Mais là, comme on a l'école, ça a une logue là-bas. On va en faire non rien. Et côté de beatbox, là, après, comment dire, on a performé devant un event. Pas event de haut, mais event de l'école même. Perform, les larmes, je me disais ça. Je me disais ça confiance, ça, je me disais, je perform pour tout le monde. Au beatbox, je me disais, en la journée, je vais apprendre, je vais le portable, je vais le YouTube, je vais apprendre une des bonnes affaires. Et le côté beatbox, je me disais, beatbox, je ne sais pas si tu connais une petite affaire comme ça, mais pas maintenant autant loin. Ils ont dit, je suis capable de perform autant, je vais dire, autant l'importance du côté beatbox. Dans Mister Habilité 2023, mon perform en beatbox qui l'impressionne tout le jury, tout le monde, comme si l'audience. Et que dans là, plus mon gars Mister Habilité, plus Mister Talent. Je ne vais pas attendre que je puisse sortir trop bien de Mister Habilité 2023. Mr. Talent, Mother Funduki. Mon gaillard, garçon, c'est Madame Duki. Thank you.
suis extra content, je suis pensé que je suis là, je suis gagné ces deux affaires là, ça fait moi beaucoup content. Cette habilité là, elle me motive moi beaucoup. Parce que c'est ça même un événement là qui me dit je gagne une petite confiance comment dire, pour performer devant mon monde. Sinon, je ne suis pas content de performer même moi. Ça va, quand je fais beatbox devant l'audience, les donne moi une petite confiance comment dire, les donne moi une petite confiance comment dire, je vais performer encore. Ça va, comment mon audience, je tape la main pour moi, je motive moi encore. Maman, je vais te tuer. Un talent correct, moi, mais la façon comment moi été, comment dire, mon besoin, comment dire, du monde, dire oui, n'importe comment il était, mais c'est moi, il y a un talent, ça qui motive moi pour tout, pour le porter, pour tout, pour le performer dans un événement, quand même dans un mariage, quand même dans une fête, un anniversaire, n'importe que ça. Bon, aujourd'hui, comment moi été, moi indépendant, je ne pas dépendre de personne qui me fait tout, mon affaire tout seul. Comment dire, comment tu dis un moment difficile, mon guide, mon parent fait beaucoup pour moi. Comment vous dire, quand mon guide est galopé l'hôpital, depuis l'hôpital ici, pas le jeune docteur de côté, voilà, voilà. Mais là, comment dire, je pense que à ce stade, je ne suis pas fatigué beaucoup à ce stade. Je suis indépendant, un petit guide. Moi, mon vie, faut le mot passion. Mon vie, comment dire, mon vie est un beatboxer qui se tout connaît.